entrez dans un dispositif destiné à récolter vos plus grosses bêtises d'enfance. Faisant le malin, il dit au petit frère dont je suis, « T'es pas capable de lancer la bille jusque là-bas. » Et le petit frère, prend la bille et la lance et casse le carreau qui est un peu plus loin. Voilà une belle histoire. Votre bêtise sera récoltée au même titre que toutes les autres. Voilà. Et alors si vous voulez bien entrer par le portique, ici, qui est un détecteur de sagesse. Voilà, si ça s'allume, c'est que vous avez été sage comme des images. Allez-y, entrez, s'il vous plaît. Everything okay, guys? Great. Here is the kitchen room, you know? So this is all the bad things you could have done when you were in the kitchen. Qu'est-ce qu'on lui donnerait comme titre, tu vois, comme nom à ta bêtise? Chirurgie esthétique. Oh, bravo. Mais alors là, tu es magnifique. Et c'est pas ce que je voulais le faire. Juste comme ça, donc c'est de l'expérimentation alors. On a comme spécificité de toujours mélanger les disciplines. Donc on ne s'arrête pas au théâtre, on ne s'arrête pas aux arts plastiques, mais on les croise. Madame ici présente, avec ses deux cousines, lors d'un séjour à la campagne, a pris son bain. Jusque-là, rien que de très normal. Si ce n'est que le bain se prit dans l'abreuvoir des bœufs de la prairie voisine. C'est ça, madame. H-E de type 1. H-E. Humain. Tamponnage. Le tamponnage est assuré par notre agent Junico Moineau et nous faire définitivement rentrer dans la catégorie des gens passage. Embocalage. L'embocalage est l'opération la plus délicate, assurée par notre agent Chantrain, dirigé par madame, et définit la bêtise dans son bocal. Madame? La Barbie. Passage. Sage. Passage. Sage. Fautage. Ah, merci, on peut applaudir madame Sylvia qui nous a fait l'honneur de rajouter sa pièce au musée. Notre idée c'est d'amener de la poésie aussi dans le paysage urbain ou rural. Et aussi notre ligne c'est tordre gentiment la réalité. Nous vous invitons à vous diriger vers la sortie. Attention, je compte jusqu'à 3 et je ne veux plus voir personne. Je devais avoir 13 ans. J'avais pris un petit sac et j'ai mis mon caca dedans. Et alors là, ça a été vraiment ma fête. Ça, c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite.